Et salut, aujourd'hui je te montre comment tu peux faire ta galette des rois chez toi super facilement. Et je te donne en plus une petite astuce pour avoir un beau développé de pâte feuilletée sur tout le tour de ta galette. Pour la crème pâtissière, il te faudra 140 ml de lait, de jaune d'œuf, 1 g de maïzena, 20 g de sucre. Et de pâtes feuilletées. Alors celle-ci, c'est des pâtes feuilletées du commerce parce qu'on est sur une recette super facile. Mais si tu as envie de la faire toi-même, vas-y, surtout te gêne pas, fais-toi plaisir. Pour la crème d'amande, il te faudra 120 g de poudre d'amande, 90 g de sucre en poudre, 2 œufs entiers, 90 g de beurre mou, très mou. Je te conseille de le sortir du frigo au moins 3 heures avant. Et une cuillère à café d'amande amère. Alors c'est facultatif, mais je te le recommande vraiment. Et pour le sirop à la fin, pour faire briller ta galette, il te faudra 40 g de sucre et 40 g d'eau. Et je ne te l'ai pas montré, j'ai complètement oublié, mais il te faudra également un jaune d'œuf avec un peu de crème liquide pour la dorure. On va commencer par faire la crème pâtissière. Alors dans une casserole, tu vas verser ton lait et tu vas venir le faire chauffer. Alors, pas bouillir, mais faut qu'il soit bien chaud. En attendant, dans un grand bol, tu vas y mettre tes jaunes d'œufs avec ton sucre que tu vas venir mélanger. Tu vas y ajouter ta maïzena et tu vas mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne homogène et il va légèrement blanchir. Une fois que ton lait est bien chaud, tu vas venir le verser sur le mélange œuf sucre maïzena tout en fouettant. D'un coup. Et tu vas le reverser dans la même casserole. On le remet sur le feu, à feu doux. Et surtout, c'est super important, on ne cesse jamais de remuer. Il faut tout le temps fouetter constamment, tout le temps être là parce que le mélange va épaissir très vite. Là, ça commence à épaissir. Comme tu peux le voir, j'ai enlevé la casserole du feu, je l'ai légèrement soulevée parce que justement c'est trop rapide et j'ai peur que ça brûle. Du coup, je l'ai un petit peu soulevée et je continue de fouetter très fort. Très vite. Tu vois, là, elle est devenue bien lisse. Il n'y a pas de grumeaux. C'est parfait. Je la retire du feu. Je vais la verser dans un bol. Je vais la filmer au contact. Tu vois, je ne laisse pas le film au-dessus du bol. Je veux vraiment la filmer au contact en fait. Que le film touche la crème pâtissière pour éviter qu'elle ne forme une pellicule en refroidissant. Après, on va passer à la crème d'amande. Donc dans un grand bol, tu y mets ton beurre mou. Tu ajoutes ton sucre. Et là, tu vas venir écraser avec une maryse, une fourchette, une spatule, ce que tu veux. Tu vas venir écraser le beurre avec le sucre pour obtenir un mélange un peu mousseux, un peu crémeux comme ça. Là, tu vas ajouter les œufs un par un en mélangeant bien entre chaque ajout. Je vais changer, je vais prendre un fouet, ce sera plus facile. Je ne vais pas mélanger trop longtemps, juste le temps que
tout soit bien incorporé. J'ajoute mon deuxième œuf. J'ajoute la cuillère à café d'amande amère. Je mélange à nouveau. Là, j'ajoute ma poudre d'amande en un coup, en une fois, et je mélange. Alors pareil, pas très longtemps, juste le temps de bien incorporer la poudre. Là, j'ai un mélange bien homogène, très crémeux. Là, maintenant, je prends ma crème pâtissière, je vais la détendre à l'aide d'une fourchette ou d'une spatule, ce que tu veux. La détends un petit peu avant. Et je vais la mélanger à ma crème d'amande. Là, je vais venir prendre une poche à douille. J'ai mis une douille lisse. Verse dedans. Alors, tu peux ne pas prendre de poche à douille hein, et verser sur ta pâte feuilletée la crème à l'aide d'une cuillère, d'une spatule ou peu importe. Mais c'est plus facile d'avoir une poche à douille, c'est vrai. Je vais refermer ma poche à douille et puis je vais la mettre au frais le temps qu'elle durcisse un peu. Alors une demi-heure, une heure, ça dépend. Mais là, elle est un petit peu trop liquide pour que je la mette directement sur la pâte feuilletée. Une fois que mon mélange, enfin ma crème frangipane a bien durci au frigo, a durci un petit peu, je vais prendre ma première pâte feuilletée. Et je vais, à l'aide d'un cercle à pâtisserie, former un cercle. Là, je retrace un petit peu les contours au couteau. Je suis partie prendre un blanc d'œuf. Et je retrace un deuxième cercle à l'aide de mon couteau. En fait, je crée une bande. Pas trop épaisse. Hop. Je me débarrasse d'une des deux bandes, j'en garde une. Avec un pinceau, je vais venir badigeonner d'un petit peu de blanc d'œuf tout autour de mon cercle. Et je vais venir coller ma bande tout autour de mon cercle. Alors, je vais bien coïncider les bords. J'appuie un petit peu. Je fais tout le tour avec ça. Je vais venir couper le surplus. Je vais la mettre sur une plaque de cuisson. Je vais venir prendre la deuxième pâte feuilletée et je vais faire pareil, le même procédé. Je prends mon cercle à pâtisserie, je fais une empreinte, je redécoupe avec mon couteau. Je fais un deuxième cercle afin de créer encore une bande. Je me débarrasse d'une des deux bandes. Je regarde une, je mets à côté, je reprends mon cercle à pâtisserie et je refais le même procédé. Avec un petit peu de blanc d'œuf, je viens en mettre un petit peu tout autour. Voilà. Je vais venir recoller une deuxième bande
En fait, c'est ce qui va aider à avoir un beau feuilleté sur tout le tour. Parce que généralement, quand on utilise des pâtes feuilletées du commerce, on a du mal à avoir un beau feuilleté sur le côté. Parce que les pâtes, elles sont super fines. Et du coup, ça marche pas à tous les coups. Et là, franchement, avec cette astuce, ça marche tout le temps. C'est incroyable comment le feuilleté se développe sur le côté. Vous allez voir à la fin. Là, je suis partie prendre ma crème. Et je vais venir la déposer tout au milieu du cercle. Voilà pourquoi c'est plus pratique d'avoir une poche à douille, ça va beaucoup plus vite. Là, je dépose, j'essaie de ne pas faire de trou, de ne pas laisser de trou d'air. Je vais prendre une spatule et je vais bien lisser le tout. Et là, j'ai complètement oublié de filmer, mais j'ai mis un petit peu de blanc d'œuf sur le tour. Et je viens y coller mon deuxième cercle pour refermer la galette. Alors, je chasse un petit peu l'air à l'intérieur et je viens bien souder les bords. Et là, je vais venir, je ne sais pas comment on dit, chiqueter, je ne sais pas, avec mon index et mon majeur. Alors, j'appuie légèrement et au milieu de mon index et de mon majeur, je fais un petit cran avec un couteau, avec le dos d'un couteau. Alors là, j'ai un couteau à tarte, donc il ne coupe pas, c'est très pratique. Et voilà, je fais ça tout le tour de la galette. C'est pas obligé, on n'est pas obligé de le faire, mais ça donne un joli rendu. Voilà. J'appuie encore un petit peu. Là, j'ai pris un jaune d'œuf auquel j'ai ajouté un petit peu de crème liquide et je vais badigeonner toute la galette. Alors, sur le dessus uniquement, pas sur les côtés. Sinon, le feuilleté va pas se développer ou va avoir du mal à se développer. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, là, j'ai mis ma tarte, ma galette, pardon, j'ai mis ma galette au frigo. Et je la laisse au moins 1 heure à 1 heure et demie au frais. Et pendant ce temps, je fais mon sirop. Donc dans une casserole sur feu fort, j'ai mis mon eau et mon sucre et je fais bouillir pendant 1 minute. Je vais débarrasser dans un petit ramequin. Je vais laisser de côté. Une fois que ma galette a bien reposé au frigo, c'est super important, hein, surtout qu'elle repose au frigo au minimum 1 heure. Une fois qu'elle a bien reposé, je vais dessiner sur ma galette comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, si vous en avez envie ou non. Je vais faire des traits comme ça, comme une espèce de rosace. Et j'ai fait préchauffer mon four avant, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait préchauffer à 180 degrés. Et je l'enfourne directement, donc dans un four chauffé à 180 degrés, je l'enfourne pendant 30 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée comme ça. Et tout de suite, donc à la sortie du four, je vais la débarrasser sur une grille. Et tout de suite après, je vais venir la badigeonner de mon sirop. Ça va lui donner un joli rendu, elle va être brillante. Et voilà, la galette est terminée. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.